Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi, une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur Isa TV. Chers amis internautes, le rendez-vous est bel et bien Info Hebdo. Une fois encore, je vous le rappelle, ce samedi, nous allons débattre autour de trois sujets, notamment la résurgence des coups d'État en Afrique, la concertation du président de la République, Patrice Talon, le président d'institution de la République, et puis les démissions d'élus communaux, Force Courrier, Point Bénin, émergent FCBE, pour le parti politique Bloc Républicain. Et pour un décryptage assez équilibré, dépourvu de toute partisanerie, je reçois pour vous, chers amis internautes, Habib Arendessi, le président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire. Il sera face à Bienvenue Agbasagan, journaliste, analyste politique. Sans plus tarder, juste après ce jingle, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous. Bonjour à vous, bienvenue à Agbasagan. Merci d'être là ce matin. Merci également à vous, Habib Arendessi, d'être là. Ça fait un petit bail. Ouais, c'est vrai. Merci d'être de retour sur nos plateaux. Et je commence d'ailleurs par vous, Habib Arendessi. Vous avez noté un peu dans la sous-région africaine que depuis un certain moment, le cas de la Guinée, le cas du Mali, le cas du Burkina Faso, il y a eu des coups d'État qui ont été effectués. La Guinée-Bissau a échappé belle à cette pandémie, si on peut le dire ainsi, aussi, si on doit la qualifier ainsi, selon vous, en tant qu'acteur politique et également en tant qu'analyste politique, est-ce que vous pensez que ces coups d'État sont salvateurs? Alors, je suis un démocrate, je suis accroché à la démocratie et à son perfectionnement, surtout en Afrique. Donc il faut d'abord reconnaître que nous avons une démocratie très fragile en Afrique qui souffre de beaucoup de choses. Et donc, je ne peux pas encourager un coup d'État. Mais quand nous voyons un peu le contexte dans lequel ces coups d'État ont lieu, il faut annoncer, il faut dire du moins que c'est la crédibilité de ces pouvoirs politiques en Afrique qui est tout simplement qui pose problème en réalité. Crédibilité d'abord dans l'élection et crédibilité dans la gestion du pouvoir. Vous avez des pouvoirs qui en réalité ne sont pas élus par les urnes. Vous voyez des pouvoirs qui en tout cas, c'est pas des coups de force, c'est pas des tripatuages, c'est pas des remplissages de bulletins et autres que ces pouvoirs s'installent. Et quand ces pouvoirs s'installent, au lieu de gérer le pouvoir avec le peuple, on gère le pouvoir avec un petit groupe d'individus ou un petit groupe d'individus. Alors, il y a une grande partie de la population ou bien du peuple, il y a une masse qui est laissé pour compte. Donc, le pouvoir se gère entre quelques-uns, en tout cas entre amis. Et quand ces genres de problèmes se posent, le peuple est obligé de réagir. Malheureusement, depuis quelques années, le peuple n'arrive plus à aller au bout des revendications. C'est-à-dire, vous voyez des gens qui rentrent dans les rues, qui inondent les rues, qui réclament la démission d'un chef d'État corrompu, d'un chef d'État qui incarne la dictature, qui incarne les détournements, le népotisme et autres, la corruption également, mais qui n'arrivent pas à aller au bout. Et ceux qui arrivent à aller au bout de ce que veut le peuple, c'est malheureusement, je dis bien malheureusement, les militaires. Et vous voyez, quand il y a ce genre de coup d'État, le peuple n'était pas en mesure de finaliser le boulot. Et voyant les militaires, c'est-à-dire jouer ce rôle, ils sortent dans les rues pour applaudir, pour encourager et pour accompagner ces coups d'État. Justement, je vais revenir dans un instant par rapport à cette posture que vous avez décrite tout à l'heure de ce peuple-là, qui, élu un président quelques mois après, est le même peuple qui vient applaudir sa destitution. Alors, je me retourne vers vous, bienvenue à Agbasagan, vous avez suivi tout à l'heure votre vis-à-vis, qui parlait de crédibilité de ces pouvoirs-là qui ont été déchus, et parle d'élections douteuses, et parle également de mauvaise gestion du pouvoir d'État, d'une gestion solitaire du pouvoir d'État. Est-ce que, selon vous, ce diagnostic est le même? Vous savez, le diagnostic sur les coups d'État en Afrique, notamment les récents qu'on a connus, le cas du Mali, de la Guinée, les récents qui, du Burkina Faso, qui posent un grand problème, il faut le dire. C'est vrai que le diagnostic qu'a fait Habib tout à l'heure
fait partie des diagnostics que nous voyons le plus souvent. Mais moi, j'ai toujours tendance à dire, parce que tout ce qui se passe, il faut rentrer dans le côté, je dirais, le pan empirique de ces réalités. Vous savez, en matière démocratique, il y a ce qu'on appelle l'idéalité démocratique et la réalité démocratique. Vous savez, nos gouvernants, en réalité, ne veulent pas incarner même de près l'idéalité démocratique. C'est vrai qu'il y a des réalités en matière démocratique. Mais l'erreur pour l'Afrique, c'est ceci. C'est-à-dire que, prenant la voie même de la démocratie, certains États africains sont passés par la conférence des forces vives. Le Bénin en a réussi, d'autres, au Togo, ça a un peu échoué, et il faudrait voir. Et donc, quand vous prenez tous ces États, lorsque la démocratie était venue il y a presque 30 ans, 3 décennies, il y avait une effervescence en la matière. Et que tout le monde disait, c'est la fin de cette révolution en Afrique. Mais l'erreur, c'était que c'était une démocratie qui était fondationnelle. Cette démocratie-là ne s'est pas encore construite en réalité. Parce que quand vous recevez, j'ai l'habitude de dire, quelque chose qui ne vous appartient pas, ça vous offre le confort de minimaliste. Cela veut dire quoi? Nos chefs d'État en réalité, nos gouvernants en réalité, au lieu de rester dans cette posture démocratique, même si cela pose problème, ont tendance donc à tordre le cou à cette démocratie-là. À partir de cet instant, on peut invoquer certaines personnes, la désobéissance civile intervient. Et quand on parle de désobéissance civile, si vous rappelez, en tout cas dans l'histoire, il y a des auteurs qui en ont parlé, Henri David Thoreau par exemple, Antoine de Boétie par exemple, qui parle du discours de la servitude volontaire. Quand vous lisez bien ces auteurs, vous allez comprendre aujourd'hui que la réaction de ces peuples-là n'est pas une réaction anodine. Moi, je le dis en toute franchise. Mais puisque le peuple n'a plus le pouvoir, parce qu'on estime pour la plupart du temps que c'est seulement par le vote qu'on peut arriver à sanctionner. Je vous dis, comme le dit Henri David Thoreau, que le vote est le moyen le plus faible, en réalité, pour un peuple de pouvoir revendiquer. Moi, je le dis de cette façon-là. Ce qu'il faudrait faire, en réalité, avec ce diagnostic, puisqu'il y a des détournements, il ne faut pas le nier, vous prenez le cas du Burkina Faso. Comment l'armée pourrait être affamée? L'armée est affamée et on n'arrive même pas à répondre à cette armée qui devait riposter à un moment donné. Face à une menace terroriste. Je ne dirais pas que c'est grave, mais je dirais que c'est très grave, c'est gravissime, il faut le dire. Parce qu'on ne peut pas, en réalité, l'armée qui est censée protéger un État et que affamée, l'armée dit qu'on est en train de gouverner. Et si vous faites bien les recherches, la jeunesse burkinabé, si vous prenez cette jeunesse-là, c'est une jeunesse qui ne sait plus quoi, à quoi s'en tenir en réalité, qui est désœuvrée, qui a besoin, il faut le dire, d'une éducation civique, parce que les choses ont dégénéré, ce n'est pas maintenant. Et Roch, il savait très bien, Kabore, il savait très bien que la situation était ainsi. Et il y a eu déjà des tentatives de coup d'État, vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il faut craindre, la question que vous avez posée avec cela, est-ce qu'il faut craindre un printemps ouest-africain? Je me le demande parce que justement, le printemps va commencer de cette façon-là. Par rapport à cette question, je vous reviens par rapport au printemps africain. Je me retourne vers vous, Habib Arandessi, tout à l'heure, vous en parlez déjà, du peuple. Bienvenue à Kwasangan, on en fait cas également dans son argumentaire. Lorsqu'on parle de ce peuple-là en tant peut-être qu'entité empirique, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une perception parfois erronée du peuple? Parce que, est-ce que ça ne vous paraît pas? Puisqu'on dit la démocratie, c'est l'expression du pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Alors, lorsque le peuple-là va aux urnes pour élire un président, ce président vient à la tête du pays avec un programme de société pour gouverner. Et tout de suite, là, le président-là est là, quelques mois après, il est déchu. Et ce même peuple-là vient applaudir encore pour dire « bravo les militaires ». Ce même peuple-là, quelques mois après, est prêt aussi à dire « les militaires ne sont pas bons ». Finalement, est-ce que le peuple ne paraît pas un peu confus par rapport à ses choix, selon vous? Non, le peuple ne paraît pas confus. Sauf que nous avons en Afrique des peuples qui n'ont pas d'abord les mêmes caractéristiques, il faut le dire. Mais nous avons des peuples qui sont assoiffés de justice, qui sont assoiffés de la bonne gouvernance, assoiffés de développement. Et quand ils vont, et normalement... Justement, pour étayer votre argumentaire, Habib Arandessi, lorsque vous dites qu'il y a des peuples assoiffés de justice, assoiffés de gouvernance, est-ce que vous êtes d'accord peut-être avec moi que la plupart des pays de la planète ont des problèmes de développement, ont des problèmes de justice, même dans les pays que nous prenons comme exemple, il y a toujours des soupçons sur l'indépendance de la justice et autres. Est-ce que vous pensez que ce ne sont que des mobiles essentiel pour arriver à ces fins-là? Est-ce qu'il n'y a pas de l'opportunisme dans l'air? Non, il n'y a pas de l'opportunisme. Quand des gens rentrent dans les rues pour réclamer, j'ai tout à l'heure parlé de la crédibilité des pouvoirs dans l'élection
et dans la gestion. Dans l'élection d'abord. C'est d'ailleurs pourquoi vous devez comprendre la réaction du peuple. Le peuple, d'abord, une grande partie du peuple est manipulée dans les élections. Quand vous voyez des élections truquées, tripatuées dans les élections, vous voyez taux de participation, par exemple, 5%, 10% des trucs du genre. Et que le pouvoir s'installe coûte que coûte. Mais justement, quels sont les leviers sur lesquels le pouvoir s'adosse et a d'assurance pour effectuer tel besoin? Voilà un pouvoir qui s'installe de façon illégitime. C'est-à-dire, vous ne retrouvez pas le peuple en réalité à travers les urnes. Mais ce pouvoir s'installe. Donc, le peuple reste là et observe. Et observe quoi? La gestion du pouvoir. Mais quand, par exemple, je prends l'exemple de l'armée, même dans le cas de notre pays, le Bénin, quand je prends un policier qui a un salaire dérisoire de 60 000 francs le mois, ou bien de 80 000 francs le mois, et que, on s'affiche sur les réseaux sociaux une fiche de paye d'un préfet, par exemple, qu'on trouve à 5 millions de francs CFA. Ça crée quoi chez un policier ou bien chez n'importe quel citoyen? Ce qu'on appelle la frustration. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le pouvoir est géré. Mais ce salaire-là est conséquemment fixé. Mais écoutez, par rapport aux enjeux, le pouvoir est géré par un petit groupe d'individus et la grande masse est laissée pour compte. Et quand c'est comme ça, à un moment donné. Ça a toujours été une aristocratie. Non, dommage, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, la démocratie des vrais dirigeants. Vous avez vu Thomas Sankara quand il a pris le pouvoir? Est-ce que vous avez suivi son discours? Vous avez suivi quelques mois après le pouvoir? Un vrai président qui est là pour son peuple, quand tu vois même le train du gouvernement, des ministres et autres, par rapport au peuple ou bien à la masse, tu sens que eux là, ils sont là pour le peuple. Et tu sens d'autres, non, eux autres, ils ne sont pas là pour le peuple. Et quand les gens voient ces gens de déséquilibre, au même moment où l'armée n'a rien, on attend qu'un ministre s'offre par exemple des milliards dans la caisse de l'État. Mais le peuple, c'est-à-dire, le pouvoir appartient au peuple. À un moment donné, ce peuple est obligé de réagir. Lorsque nous parlons de peuple, de réaction et autres, et de démocratie, est-ce que vous ne voyez pas, vous, bienvenue ambassadeur, la démocratie sous le tropique africain comme un leurre? Parce qu'on a comme l'impression que dans une république dite démocratique, il y a toujours une oligarchie. Il y a toujours une caste qui est composée d'intellectuels qui se disent être bien et que quand ça va entre ces intellectuels-là, la démocratie est en bonne santé. Quand les intellectuels ne s'entendent pas, la démocratie, elle est à terre. Et généralement, même quand on dit qu'elle va très bien, cette démocratie, il y a toujours des pauvres. Il y a toujours des personnes qui ont besoin du mieux-être. Mais quand vous faites, je dirais, on ne va pas faire ici la géographie de la démocratie, mais ce qu'il faut savoir, la démocratie est un mauvais système. Ça, je le dis, et Winston Churchill l'a précisé. Quand vous faites assez de recherches là-dessus, vous allez comprendre que c'est un mauvais système, parce que c'est un système qui privilégie les intellectuels, les élites en réalité. Et que quand on dit que c'est le gouvernement du peuple, pas le peuple, c'est du leurre. Il faut le dire en toute honnêteté. Il ne faut pas se cacher là-dessus. C'est pour ça, moi, à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas penser à un autre système en réalité? Mettre l'oligarchie, la monarchie et puis la démocratie ensemble en faisant ce que j'appelle un savant dosage. Quand toutes les analyses que Habib est en train de faire aujourd'hui, c'est que réellement, quand on va au tréfonds de la démocratie n'a rien d'avantageux pour le peuple. Il faut le dire en toute honnêteté. On a longtemps parler de démocratie et qu'il faut faire ci. C'est pour ça que le problème se pose en Afrique. Les autres aussi qui se disent État démocratique, vous allez remarquer qu'il y a aujourd'hui une certaine tendance à pouvoir donc travailler la démocratie à aller loin. Telle qu'elle est aujourd'hui, on ne peut pas rester stagné là-dessus pour dire démocratie, démocratie. Et l'erreur que nous commettons en Afrique, c'est que nous ne voyons pas que la situation pour nous est pire. Je ne dirais pas plus pire en réalité. On ne voit pas que la situation est pire. Il y a un travail qui se pose en réalité. L'armée prend le pouvoir. Vous voyez, c'est vrai, certaines personnes vont applaudir, le peuple va applaudir, mais ces gens de l'armée, quand ils prennent le pouvoir, ils répètent les mêmes erreurs que ceux qu'ils ont justement précédé. Est-ce que c'est pas le système politique qui est défectueux? Ça mérite une étude, c'est ce que je suis en train de dire. Le système est de manière congénitale, je dirais, défectueux. C'est ça en réalité la démocratie. Et que le travail que nous devons faire, ce n'est pas aller
dans ces coups d'État-là. C'est ce qu'il faudrait comprendre. Le travail, c'est que ça revient encore aux intellectuels de travailler sur la forme de démocratie à l'africaine. Parce que quand vous allez regarder, la France, avant de connaître une certaine stabilité, la France a connu la révolution. La révolution de 1789, vous rappelez de ces révolutions-là. Et il y a d'autres révolutions qui ont amené la France à cette stabilité-là. Et donc, si ces gens-là ont eu cette maturité avec le temps, il faudrait que le peuple africain aujourd'hui, qu'on réfléchisse à avoir cette maturité. Et là, le problème qui se pose, c'est qu'il y a des contraintes exogènes. Or, en France, à l'époque, il n'y avait pas de contraintes exogènes. C'est ce qui gâche l'affaire ici, parce que malgré ces contraintes, c'est-à-dire ces contraintes exogènes, amènent sur le terrain des intérêts qu'il faut protéger. Et s'il faut protéger des intérêts, la logique qui aurait voulu pour que nous puissions progresser ne viendra jamais. Voilà autant de problèmes que nous avons en Afrique. Alors, Amir, bienvenue à Ouassara, évoque ces problèmes que nous avons en Afrique. Est-ce que vous ne vous interrogez pas parfois de savoir, ou à la question de dire, est-ce que la démocratie a été véritablement faite pour les peuples noirs? Parce que la même démocratie qu'on se dit être appliquée en France, il y a eu les gilets jaunes, par exemple, en France, mais aucun militaire ne s'est levé pour dire qu'il voulait... restaurer le pouvoir du peuple au peuple en disant qu'il va déchoir le président Emmanuel Macron. Au niveau des États-Unis, par exemple, on a eu à maintes reprises des décisions qui ont été qualifiées de contestées, de controversées de l'ancien président Donald Trump, mais ni la CIA ni le FBI n'a décidé d'aller kidnapper le chef de l'État pour le mettre. Alors, qu'est-ce qui se passe véritablement en Afrique? Qu'est-ce qui conforte, lorsqu'on dit que les chefs d'État ont violé les institutions, qu'est-ce qui conforte les chefs d'État africains à aller dans ce sens-là et se dire qu'ils ne craignent rien? Alors, je voudrais tout de suite dire à mon cher bienvenu que le meilleur système politique au monde, c'est-à-dire entre les hommes, le meilleur système qui peut exister, c'est la démocratie. La démocratie a été inventée en Grèce, dans une cité en Grèce antique. Et qu'aujourd'hui, nous, ce que nous faisons comme démocratie contemporaine n'est pas l'image de la démocratie classique. Il faut dire un certain nombre de choses là-dessus. Alors, on va écouter Abib. Cher bienvenu, je le dis et je le dirai durant tout mon séjour sur cette terre. Le meilleur système politique qui peut exister pour les hommes, pour tous les hommes, noirs, blancs, quelle que soit notre couleur, c'est la démocratie. Et cette démocratie, qu'on le veuille ou pas, elle nous permet aujourd'hui, vous et moi, de ne pas avoir la même position politique et de faire un débat sur ce plateau. C'est seulement ça, laissez-moi parler. Allez-y. Cette démocratie permet aujourd'hui à un peuple, qu'on le veuille ou pas, quelle que soit la tendance dictatoriale que les gens installent pour donner des coups de patte à la démocratie, de rentrer dans les rues et de réclamer. Cette démocratie a permis à M. Kader d'être un journaliste. Parce que si on était dans un autre système, peut-être que ceux qui seront appelés à jouer tel rôle seront choisis par telle catégorie. Je ne dis pas que les autres systèmes sont de bons systèmes en réalité. Laissez-moi vous démontrer en réalité le réel problème de la démocratie en Afrique. Ce n'est pas la démocratie elle-même, parce que la démocratie elle-même, c'est un système que des hommes décident d'adopter. Alors, quand vous recevez une mauvaise éducation, quand je dis mauvaise éducation, par rapport à certains principes, à certaines valeurs, la démocratie promeut normalement le pouvoir pour tout le monde, la considération de tout le monde, la gestion pour tous. Ça, c'est l'idéalité démocratique. S'il vous plaît. Il y a la démocratie et ce que nous faisons de la démocratie, c'est comme la politique. Quand par exemple, M. Kader et moi, nous sommes des rivaux politiques ou bien des adversaires politiques, et je cherche un dossier, je monte un dossier de toute pièce et je jette M. Kader en prison dans un dossier qui n'existe pas. Écoutez, on va me dire que c'est la politique, mais vous et moi, c'est la politique ça là. Malheureusement, on prend ça comme l'image de la politique. Alors, c'est ce que nous avons fait de la politique. Lorsqu'on y voit de près, sommes dans une démocratie qui doit grandir, par rapport à votre, qui doit évoluer, par rapport à votre qu'on démocratie, doit chercher à perfectionner. Par rapport à votre démocratie, oui. Vous êtes président de mouvement révolutionnaire, oui, qui promeut le panafricanisme. Oui. Alors, qu'est-ce qui conforte ces militaires-là qui vont prendre les armes? Parce que nous savons généralement qu'en Afrique, toute action politique d'envergure majeure requiert forcément un tutorat. Ouais. Alors, quel est le tutorat qui conforte ces militaires-là pour aller à ces coups d'État-là? Regardez,
J'ai fait, par exemple, une analyse. Parlant d'analyse, toujours pour vous laisser parler, oui. Parlant d'analyse, il y a une analyse qui figure pour dire, par exemple, en Guinée-Bissau, c'est parce que les militaires là, n'ont pas eu de bons tuteurs qui a fait que le coup d'État a échoué, par exemple. Non. Je vois le cas de la Guinée, le cas du Mali, le cas du Burkina. Remarquez que tous ces coups d'État. Oui. Tous ces coups d'État sont arrivés suite à des manifestations populaires. Suite à des manifestations populaires. Mais il y a eu des pays dans la sous-région ouest africaine où il y a des manifestations populaires qui, à elles seules, même font l'addition de ces trois pays, mais le président est encore en place. Écoutez, si par exemple, je n'encourage pas un coup d'État, sauf que je n'encourage pas un coup d'État parce que moi, je prends ça comme un coup de patte à la démocratie. Non, il ne s'agit pas d'encourager, mais est-ce que vous ne voyez pas que des gens profitent de ces failles-là? Est-ce qu'il n'y a pas des opportunistes qui profitent? Pour moi, il y a un peuple qui est en détresse, un peuple qui se lève pour réclamer. Et très souvent, regardez, quand les peuples se lèvent en Afrique pour réclamer, qu'est-ce qu'on fait? On se lève pour tirer sur eux. Donc, à un moment donné, le peuple n'arrive pas à aller au bout. Et quand des militaires, au lieu de prendre position par rapport aux dictateurs et de tirer sur la population, décident de finaliser ce que tout un peuple réclame, eh bien, les gens ne peuvent qu'applaudir. C'est ce que je suis en train de dire. Bienvenue, ambassadeur. On ne le souhaite pas. Oui. Supposons un instant. On ne le souhaite pas. Je dis on ne le souhaite pas. Je vous reviens dans un instant par votre souhait là. Vous avez compris. Bienvenue, ambassadeur. Lorsque je retourne vers vous, ces coups d'État-là, est-ce que pour vous, vous n'y voyez pas des motivations autres que celles de la satisfaction des désidératas d'un peuple? Oui, mais. Puisqu'on nous parle d'accords militaires, on nous parle de commentaires sur les accords militaires avec tel ou tel autre pays, on nous parle de tel pays aurait voulu soutenir l'armée, il y a la lutte contre le terrorisme également qui est en jeu. Est-ce que vous ne voyez pas d'autres motivations au regard ou autres que ceux de la situation d'un peuple là? Non, mais j'ai dit tout à l'heure, au début, je parlais de la question de la désobéissance civile. Vous voyez, quand le peuple a son jugement de valeur, et il faudrait comprendre un certain nombre de choses que quand un seul citoyen se lève pour dire je renonce à ce que cet État fait, à ce gouvernement, du moins je dirais, et ça devient déjà une désobéissance civile. Mais le peuple étant donc dans une impuissance certaine, se retrouve accompagné par l'armée. Mais moi je dis que ce n'est pas la meilleure formule. Et je dis toujours que ce qui nous a conduit là, c'est cette question de la démocratie. Je reviens là-dessus. Et j'ai dit et je réitère cela, comme Winston Churchill, que la démocratie est un mauvais système. Seulement qu'elle est moins que les autres systèmes. Ce qui veut dire que la démocratie a un problème. Et ce problème-là est exploité par les chefs d'État, surtout africains. Et j'ai dit au début, quand vous acceptez ce qui ne vous appartient pas, ça vous offre le confort du minimaliste. Et c'est le confort du minimaliste qu'on est en train de voir avec les coups d'État. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en réalité? Il faut tout repenser. Moi, la solution, ce n'est pas de prendre les armes. Oui, ils ont pris le pouvoir. Vous voyez, Assimi Goïta. Est-ce que le Mali se porte mieux aujourd'hui? Est-ce que le Burkina. Au Mali, on lui dit de travailler pour la transition. Il fixe un délai qui dépasse. La CEDEAO se lève. On applique des sanctions. Et donc, un bras de fer qui ne profite à personne, ni à la CEDEAO, ni au Mali. Il faudrait préciser. Et donc, d'abord, même les gens viennent au pouvoir sans un agenda précis. Dans ce bras de fer que vous évoquez, il y a des rumeurs qui sous-tendent que les deux protagonistes sont tiraillés par deux puissances différentes. Oui, attendez, c'est ce que j'ai dit. J'ai parlé de contraintes exogènes, j'en ai parlé. Voilà. Je disais tout à l'heure que les gens viennent au pouvoir sans agenda. L'essentiel, c'est de prendre le pouvoir. Mais il faut pas prendre seulement le pouvoir, c'est de gérer le pouvoir qui est le problème. Un chef d'État africain l'a dit, Sékou Touré. Et donc, le problème qui se pose chez nous, ce n'est pas seulement de faire révolution pour faire révolution. Ce n'est pas seulement de renverser le pouvoir en place pour renverser le pouvoir en place. Pourquoi on vous demande de proposer des agendas? Le problème qui se pose, c'est que quand vous prenez la CEDEA en réalité, il y a certains chefs d'État aussi qui sont étiquetés de la mauvaise gouvernance. Il faut le préciser. Il y a des chefs d'État en Afrique globalement qui sont venus au pouvoir de manière truquée. Il faut le dire. Mais le problème, ce n'est pas ça. De façon douteuse. Ce n'est pas ça en réalité qui serait le problème. C'est qu'aujourd'hui, je le dis et je le répète, les coups d'État ne sont pas bons en réalité. Mais ceux qui doivent encore répondre à ces coups d'État ne sont pas des prototypes. Voilà le plus grand problème qui se pose. Alors, qui va? C'est là où il y a des contraintes
est exogène. Et ces contraintes-là ne tiennent pas compte de la vie des citoyens, il faut le dire, mais tiennent compte de leurs intérêts qu'ils veulent protéger. Vous voyez un peu, c'est une situation, c'est un méli-mélo terrible et qu'il faut aujourd'hui travailler pour pouvoir trouver la meilleure solution. Ce n'est pas dans les tintamas, ce n'est pas dans les bruits qu'il faut trouver la solution, mais il s'agit d'une étude conséquente des questions qui sont en train de se poser. Mais que font-nous, en tout cas, la jeunesse africaine que nous sommes? Est-ce qu'il faut applaudir les coups d'État ou bien il faut travailler à une réflexion pour que nous allons dans une éviction de ces coups d'État-là? C'est un travail sérieux Avant de finir ce sujet-là, mm-hmm. Et même de vous poser la question de savoir, au regard des facteurs endogènes, mm-hmm. c'est-à-dire les désirateurs des peuples que vous avez évoqués, les facteurs exogènes, les grandes puissances qui veulent quand même avoir accès soit à telle coopération et autres, est-ce que vous ne pensez pas quelque part que le peuple que vous vous sentez trouver qu'il faut défendre est mis de côté et qu'il y a de réels intérêts qui sont disputés entre d'autres puissances et donc il faut repenser le modèle politique africain? On ne pourra pas se mettre entre quatre murs et repenser le modèle, la démocratie en Afrique. Ça ne marchera pas comme ça. Je pense que J'ai fait une analyse dans un article. J'aime bien vous relancer, oui. Habib Arendessi. Merci aussi pour cette courtoisie que vous me faites en me permettant de prendre la parole. Lorsque je prends par exemple le cas de la Libye, la Libye qui avait été qualifiée comme un pays dictatorial, un pays autocratique avec tous les adjectifs assimilés, j'allais dire. Alors, Mohamed Kadhafi n'est plus présent aujourd'hui. Est-ce que la Libye démocrate se porte mieux que celle autocratique aujourd'hui? Alors, Je vous réponds tout de suite. C'est les corollaires de la dictature. Vous savez, lorsque nous sommes dans un système dictatorial, c'est les idées... Écoutez-moi. Vous dites corollaires de la dictature. Je vais encore vous illustrer. Je prends Jenny Rollins, que beaucoup de gens aiment citer avec beaucoup d'admiration pour la gestion du pouvoir d'État, mais il y a des Ghanéens qui disent qu'il a été dictateur pour avoir mis Ghana à ce niveau. C'est leur avis. Pareil pour Kagame en partie. Pareil aussi pour Kagame aussi. Kagame a mis aujourd'hui son pays dans une situation où dans quelques années, vous verrez les résultats. Je vais vous dire, pour Rawlings, c'est un autre cas, parce que je maîtrise un peu le système Rawlings. Et vous avez vu comment Rawlings a laissé le pouvoir. Il est venu corriger quelque chose, il a corrigé, il est parti, il a relancé son pays. Pour Kagame, dans quelques années, Libye dont vous parlez là, Rwanda sera comme Libye. Parce que quand vous gérez un pouvoir, écoutez-moi, ce n'est pas... Monsieur, bienvenue, veuillez me laisser parler. Lorsque c'est une idée... Bienvenue. Vous aurez votre temps de parole pour réagir et peut-être opiner ce que vous estimez qui n'est pas peut-être agréable. Moi, je sais et j'ai la certitude, je suis certain que notre Rwanda, qui est aujourd'hui un exemple pour le Bénin, deviendra comme Libye d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand c'est la pensée unique et que c'est un homme qui a la mesure de tout, comme ce que nous voyons dans notre pays, et quand tu demandes à même des gens ça, vous allez où? Ils ne savent pas, selon le président de la République, et quelques-uns connaissent peut-être l'orientation, ou bien c'est seulement le président de la République. Or, il est biologique, il va tenir le pays sous sa force, ou bien cette dictature, pendant combien de temps? Lorsque l'ouverture est donnée au peuple, c'est-à-dire les gens vont réagir. Et quand les gens réagissent, il y aura une forme de redémarrage, un désordre qui va s'installer. C'est d'ailleurs pourquoi la dictature est dangereuse, parce que les hommes sont biologiques. Il y a des écrivains qui disent que chaque peuple a le dirigeant qui lui convient. Savez qu'en Afrique, par exemple, nous avons des pays qui sont des peuples qui sont dirigés par, excusez-moi un peu du thème, des dynasties. Nous avons en Afrique des peuples qui sont dirigés par des dirigeants qui lorsqu'ils rentrent sur le territoire national, c'est un événement. Alors, pourquoi vous estimez que le chef de l'État, lorsqu'il a une volonté de bouger les choses, de réformer, il devient tout de suite un bourreau de son pays? Parce que vous êtes conscient avec moi, en tant que quand même personne intellectuelle, que tout changement, toute réforme est forcément susceptible de grincement dedans, puisqu'il y a des intérêts qui sont dérangés. Il y a des opportunités qui ne sont plus favorables à certaines personnes. Et la classe politique, elle est faite d'opportunisme. La réforme, une réforme, elle est conçue et mise en pratique et mise en application pour le bien-être d'une masse. Et une réforme, quand vous opérez une réforme, au début, ça peut paraître difficile. Mais lorsque dans le temps, ça continue d'être difficile,
et continue d'être difficile, il y a lieu qu'on repense à cette réforme. Ça veut dire que le diagnostic est peut-être parfait, mais la thérapie trouvée ne convient pas au diagnostic fait. Pour vous dire quoi, oui. Ce que moi je préconise dans toutes mes interventions, le pouvoir se gère, vous pouvez avoir de très belles idées, mais faites tout pour partager ces idées avec un grand nombre qui épouse et qui vous accompagne. Mais quand c'est vous seul, vous dites, moi, je rêve, je suis là, et que ce n'est pas partagé par tout le monde. Vous êtes biologique. Lorsque nous prenons par exemple, et là on va en finir, oui. La Conférence nationale des forces vives, oui. dans le février, dans ce mois-ci, on fêtera l'anniversaire. Oui. Les résolutions qui ont été adoptées, il y a eu des acteurs politiques qui n'ont pas approuvé cela. Oui. Mais ça s'est imposé à tous. Oui. Alors, pour certains, cette conférence est le fruit d'un consensus. Mmh. Alors que le consensus, c'est que quand tout le monde est d'accord, sans exception. Alors, Abib Arondissi, est-ce que vous pensez qu'il y aura forcément à chaque fois le temps du consensus total? Je n'ai jamais dit est-ce qu'on peut chaque qu'on fois peut avoir tout une le monde? Certaine unanimité absolue. Ça n'existe pas dans le commun des mortels. Mais lorsque votre idée, vos idées ou bien vos réformes sont épousées par une masse donnée, vous évoluez aussi facilement que possible. Et même quand vous n'êtes pas là, c'est là où je voudrais en venir. Parce que le pouvoir, c'est une continuité. Quand c'est vous seul qui êtes la mesure de vos réformes, vous êtes biologique. À tout moment, vous pouvez partir. Et quand vous partez, et que les gens qui étaient avec vous ne sont pas capables de continuer, qu'est-ce qui s'installe? Le désordre. Alors, Abib Arondissi, je voudrais finir, pour également préconiser, dans toutes mes analyses, je le dis, nous avons un problème d'éducation et non un problème de démocratie. Et de développement. La constitution peut être là. Et que celui qui vient au pouvoir, dans cette cupidité, dans cette forme d'éducation que nous avons reçue de manger tout ce qui appartient, à tout le monde, c'est-à-dire un petit groupe, dans la démocratie, ça ne marche pas. C'est un problème d'éducation. Comme moi, partout, on aura une très bonne démocratie en Afrique. Parce que ce qui appartient à Bienvenue et moi, là, ce n'est pas pour moi c'est seul. C'est pour cette raison je dois gérer de telle enseigne que le bon Dieu nous a créé différemment. Malheureusement, il faut qu'on introduise dans notre système politique et éducatif comment gérer la chose publique. Alors, tant qu'on n'ira pas à ce niveau, on ne pourra pas avancer dans notre démocratie. Spécifique à votre endroit, c'est de savoir, pour vous, en toute honnêteté, c'est quoi le peuple? C'est qui le peuple pour vous? Parce que de part et d'autre, l'opposition dit « je défends le peuple ouais. », la mouvance dit « je travaille pour le peuple », les militaires disent « nous venons restaurer les acquis du peuple ». Alors, le peuple, en réalité, il est qui? Le peuple se résume à eux-mêmes. Je vous l'ai dit, en réalité, ils ne défendent aucun peuple. Non, vous prenez l'exemple de Kagame tout à l'heure. Kagame, on sait comment il est venu au pouvoir. Celui qui critique là, on sait que ce n'est pas cette révolution là que lui il est venu au pouvoir. Et il est resté. Et donc, ça veut dire que quand on va faire le lien, ce qu'il déploie là, et que ceux qui déploient cela, c'est ça qu'il répète à la fin des comptes. Malheureusement. C'est malheureusement. C'est ce que je suis en train malheureusement, de oui. Malheureusement. Vous le perturbez. Vous avez parlé de la Libye tout à l'heure. Les gars ont réclamé. Ils ont réclamé la démocratie. Aujourd'hui, ils sont dans quoi? Dans un désordre total qui ne dit pas son nom. Normal. De la démocratie. Normal. Vous dites tout à l'heure que ce sont les corollaires de quoi? Oui, de la dictature. De plus de 40 ans de dictature. Je vous dis en réalité. De plus de 40 ans de dictature. Une démocratie oui. Sans une dose de dictature ne peut jamais connaître le développement. Laissez-moi aller au bout. On va suivre un peu. Quand vous prenez l'exemple, je vais vous renvoyer à un ouvrage. La démocratie en Afrique, suicide et résistante de Boubacar Gueye. Si vous lisez très bien, vous allez comprendre que la façon dont l'Afrique a reçu la démocratie est une mauvaise façon. Parce que c'est à cause des aides internationales que la conférence de la Gaulle, il faut vous rappeler de ça. C'est de cette façon
qu'on est arrivé à la démocratie. Je ne suis pas d'accord avec vous. Laissez-moi finir. Nous sommes partis, il y a des malaises. C'est des malaises. Je crois que... Attendez, il y a eu des malaises. C'est comme s'il n'y a pas eu de dictature. Le sujet... La façon dont l'Afrique est allée à la démocratie, elle est mauvaise. Le sujet, c'est alléchant. Est-ce que ça a marché par ici? Est-ce que la conférence des forces vives va vous parler là? Et qu'aujourd'hui, nous allons faire école. Nous allons faire école. Excusez, Habib Arandessi. Ce que je vous dis, c'est ceci. Nous avons fait école dans tous les pays de l'Ouest africain. Vous auriez voulu que ça se répète en réalité pour qu'il bien connaisse, je dirais, les dessous de la conférence des forces vives. Vous allez comprendre réellement qu'il y a eu des gens qui ont travaillé de façade, il y a d'autres qui ont travaillé de manière souterraine. Écoutez, et que ces choses-là, en réalité, nous ont seulement été plaquées de cette façon et nous l'avons accepté et nous avons applaudi. Moi, je pose toujours une question. Est-ce que la démocratie dit à un président de la République, il faut voler ton peuple? Non, mais ce que... Est-ce que la démocratie Ma question, parce que je voulais boucler le sujet. Lorsque vous dites que, est-ce que la démocratie dit à un président de voler son peuple? Oui. On a vu, pour la plupart, les exemples sont légion en Afrique, des présidents qui ont été de bons opposants, un peu comme vous, qui donnent de très belles idées par rapport à la démocratie, l'état de droit, l'état de loi et toute autre conception dérivée de la démocratie. Mais une fois au pouvoir, ils n'ont jamais été des exemples. Non. Une fois au pouvoir, ils ont été plus que des dictateurs. Ils ont été ces acteurs politiques qui ont voulu faire 2 mandats, 3 mandats et même plus. Ils ont été ceux qui ont même été des acteurs politiques qui ont instauré dans le pays des lois autoritaires. Alors, est-ce que vous ne pensez pas, là je retourne encore cette question une dernière fois, que c'est le système politique qu'il faut combattre et non des hommes politiques? Parce que qu'est-ce qui amène, par exemple, un Alpha Condé, qui était un exemple légendaire même dans la sous-région africaine à l'époque, où des gens estimaient qu'il allait apporter un vrai boom à son pays, mais à la grande espérance d'hier, s'est suscité progressivement le doute et le désespoir? Je suis d'accord avec vous. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je serai un bon président de la République. Allez écrire ça quelque part. Je ne serai pas comme un Alpha Condé. Je l'ai toujours dit. Je serai un bon président de la République. Le pouvoir de Noël. Écoutez, allez écrire ça quelque part. C'est leur génération. On va partager le pouvoir ensemble. Tout en tenant compte. Et moi, je suis un bon président. Je promets, on va partager le pouvoir ensemble. Tout en tenant compte que le pouvoir a des contraintes. Il y a des contraintes. Non, écoutez. C'est une question d'éducation et ce que tu veux. Peut-être que je ne vais pas durer au pouvoir, mais je serai un président très exemplaire. Pour dire quoi? On a un problème, ce n'est pas le système. Vous voulez remplacer la démocratie par quoi? Non, par quoi? Pas encore le système que nous avons expérimenté par le passé. Nous avons expérimenté la dictature. Non, royauté. La démocratie pour repenser à ce que vous dites là. Habib, je n'ai pas dit qu'il faut revenir aux anciens. J'ai dit de faire un savant dosage. Nous avons déjà fait toutes les expériences en matière de système politique. Et celui que nous avons décidé d'adopter, c'est la démocratie. Merci à vous, Habib Arandessi. Merci également. Bienvenue à Bassagan. Merci pour les échanges de sujets assez alléchants. Je crois que peut-être que nous allons revoir encore l'actualité. Nous allons revenir. Peut-être que vous allez mieux réfléchir. Merci à vous. Nous allons y revenir. L'essentiel pour moi, c'est le bien-être de tout le monde. Je crois que nous allons suivre l'actualité parce que on ne sait pas encore. On ne sait pas encore ce que les jours à venir vont nous réserver. Peut-être qu'il y a d'autres militaires qui se préparent également parce qu'eux aussi, ils ont pris du plaisir. Et personne n'a... Malheureusement. Et il faut surtout qu'on respecte nos institutions sous-régionales que nous sommes dotées, parce que si nous les bafouons, si nous estimons qu'elles ne sont pas crédibles, si nous estimons qu'elles ne sont pas de nature à donner des impositions... Mais quand il y a problème et que ces institutions ne réagissent pas au processus c'est normal. Alors, Habib Arandessi, nous allons revenir au plan national, notamment au Bénin, où le mercredi dernier s'est tenue une concertation entre le président de la République, Patrice Talon, et les présidents des différentes institutions de la République, Assemblée nationale, Cour constitutionnelle, Cour suprême, Haute Cour de justice, et quoi d'autre que j'oublie, et la Sénat également, ils étaient tous, sans oublier la vice-présidente de la République également, ils étaient tous pour des échanges avec le chef d'État sur des sujets d'intérêts nationaux et internationaux. Alors, je serai moins dur et dire que c'est une très bonne initiative, c'est une très bonne démarche, parce qu'il faut reconnaître que nous sommes coincés. Nous sommes coincés. Le président de la République est coincé.
Coincé comment? Coincé un peu partout. Regardez, aujourd'hui, on est obligé de nous surcharger avec les taxes pour ne serait-ce que mobiliser une partie du budget. Il y a beaucoup de choses. On appelle même au départ volontaire actuellement. C'est comme la situation d'avant 90. Donc, il faut que quand même les chefs d'institution se retrouvent. Sauf que nous l'avions dit avant, c'est le cadre qui peut-être me pose un peu de soucis. Si cette concertation peut permettre quand même au président de la République de comprendre certaines choses et de relancer le développement du pays, ce serait bien pour nous tous. Mais la base, c'est les questions de liberté. Vous savez, on ne peut pas gérer un pouvoir avec un petit groupe. Tout le monde aujourd'hui est important. Et c'est dans cette situation que nous sommes en train de nous retrouver. C'est comme avant 90. Alors, nous avons fait de l'expérience. Si nous ne tirons pas des conclusions quand même idoines de ces expériences vécues, nous allons tomber dans les mêmes pièges. Nous avons encore un autre sujet. Très rapidement, bienvenue à Ouassagan sur cette concertation entre les présidents des institutions de la République. Il y a le président de la République, le président de la Cour constitutionnelle, la Haute Cour de justice, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Sénat, la Haute Cour de justice. Ils étaient tous avec le chef d'État pour une concertation. En tant que professionnel des médias, vous avez suivi également le point qui a été fait par le porte-parole de circonstance, le professeur Joseph Diogbenou, président de la Cour constitutionnelle. Selon vous, est-ce que cette rencontre-là, qui est une rencontre périodique, vient au augure de lendemain meilleur et d'une bonne stabilité pour le pays? Ces rencontres-là ont toujours. Est-ce que vous voyez est-ce que vous pensez que le chef d'État est coincé, comme l'a dit Habib? Je viens là-dessus. Quand lui, il parle de coincé, lui, c'est dans sa vision de révolution qu'il dit cela. Et que pour ceux qui les connaissent très bien, ils restent toujours dans ces postures-là. Ils n'ont jamais louangé un pouvoir, même s'il fait bien en réalité. Or, on dit chez moi, même si l'ennemi fait bien. Le pouvoir n'est pas mon ennemi. Non, le pouvoir m'appartient. Je ne parle pas. Vous avez parlé de coincé tout à l'heure. Vous dites que je suis en train de vous aussi. Bienvenue à habituer à m'arrêter quand je parle. On fait la courtoisie. Je suis habitué à ça, donc j'essaie de. Donc je vous ai contaminé, c'est un effet contagieux. Vous êtes le troublé aussi. Voilà. Alors, je disais tantôt que le chef d'État n'est pas coincé. Ça, il faut le dire, le Bénin n'est pas coincé. Nous avons été, c'est-à-dire abonnés à une certaine facilité. La facilité de ne pas payer les impôts. Quand ils soulèvent cela, cette question aujourd'hui, il y a des choses qui étaient là, qui sont désuètes, qui ne sont pas appliquées. Il faut amener le peuple à appliquer cela. Parce qu'en tant que peuple, il ne s'agit pas de venir réclamer toujours des choses aux gouvernants. Il y a toujours des devoirs que nous aussi, nous devons accomplir. Combien de nos devoirs nous accomplissons et que nous appelons maintenant le peuple pour dire que le peuple est coincé? Quand on parle des impôts et des taxes, des gens créent des sociétés à l'emporte-pièce, ils ne payent pas dans la caisse de l'État, mais ils font des intérêts et ils sont dans l'État, ils bénéficient de la sécurité de l'État, ils n'ont jamais payé véritablement de la carburation pour la police et on réclame maintenant des choses à l'État, on dit que l'État est coincé. C'est là où parfois, quand je vois ou bien je suis certaines analyses, je dis qu'il ne faudrait pas qu'on parle pour parler en réalité. Il faudrait qu'on aille sur des choses de manière cohérente. Et qu'on ne dise pas que parce qu'à cause de notre position, nous sommes obligés de défendre notre position, même si nous sommes dans des bêtises. Moi, je ne conçois pas cela. Le Bénin n'est pas coincé. Ça, je le dis en toute honnêteté. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est vrai que le Bénin a des défis à relever. Et pour relever des défis, il faut compter sur soi-même. Et nous avons l'habitude de dire, il ne faut jamais compter sur les autres. Et puisque nous savons qu'on ne peut pas compter sur les autres et qu'il faut se battre soi-même, nous sommes un peuple en réalité. Tout le monde met la main à la pâte pour que nous puissions donc relever ces défis. Cela ne voudra pas dire qu'on est coincé. On a des questions sécuritaires aujourd'hui. Vous voyez, à Poga, vous voyez la mort causée par ces djihadistes en réalité. Ce sont des défis sécuritaires qu'on doit relever et que ce n'est pas seulement, ça ne revient pas seulement au chef de l'État de relever ce défi-là. C'est un défi citoyen qu'on doit relever. C'est un défi commun qu'on doit relever. Chacun est même gardien de la sécurité de l'autre, de son citoyen. À partir de son concitoyen, je dirais, à partir de ce moment-là, on a un devoir en réalité. Et donc, quand on parle de coincé, c'est que nous-mêmes nous sommes coincés. Quand on dit que le Bénin est coincé, ça veut dire que nous-mêmes nous retrouvons coincés. Moi, je ne suis pas coincé. Je le dis, peut-être Habib, il est coincé, donc c'est pour ça qu'il s'exprime de la sorte. Merci à vous, bienvenue à Ouassagan. Nous sommes un peu pris par le temps. Nous avons également un autre sujet qui a été annoncé. Nous allons très rapidement dire un mot dessus avant de
conclure ce débat, il s'agit des démissions d'élus communaux. Ils ont été élus sur la liste du parti politique FCBE, mais le week-end dernier, ils ont adhéré au parti politique Bloc Républicain. Ça fait la une de l'actualité politique. Est-ce que selon vous, Habib Arendesi, cela s'inscrit dans la perspective des préparatifs des élections législatives de 2023? Bon, avant ça, je voudrais faire une suggestion. Il faut que ces gens de démission soient organisés à l'air libre, devant toute une foule, pour que des gens qui souffrent au quotidien, qui avant prenaient le Pamida peut-être à 100 francs, qui aujourd'hui sont obligés de prendre ça à 175, qui, des gens qui peinent à trouver deux repas par jour, hein, vous écoutent. Vous avez des gens, écoutent, s'il vous plaît, laissez-moi. Si vous vivez au Bénin, vous devez comprendre que depuis cette nouvelle année, c'est l'hécatombe totale. Alors, même les motos, Habib, tout ça. Habib, donc, il faut qu'on. Non, c'est une suggestion. Oui, justement, c'est une suggestion. Je ne sais pas comment les gens ont cette capacité à faire une émission interactive dans les jours à venir. C'est la réalité dans laquelle nous sommes. Justement, j'ai une question à vous poser, Habib Arendesi. Vous m'arrêtez. Non, je ne vous arrête pas. Allons-y. Il y a 10 ans, est-ce que ce que 10 000 francs pouvait acheter, CFA, est-ce que ces 10 000 francs encore sont en mesure de le faire aujourd'hui? Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce qui a été le facteur selon vous? Donc, est-ce que... Selon vous... Je ne suis pas censé donner mon opinion, mais j'ai fait le constat que quand je suis né, le piment qu'on achetait à 25 francs n'est plus à 25 francs. Écoutez, ce qu'on achetait à 10 francs, quand je suis né, il y avait de l'eau qu'on prenait à 10 francs, à 5 francs. Mais ça n'existe plus. Je sais avec précision. Et quand vous sortez d'ici, ne restons pas dans les quatre murs. Quand vous sortez d'ici, vous questionnez n'importe quel citoyen, qu'il soit intellectuel ou pas, il vous dira, non, nous sommes fatigués d'être sutassés. Je vais vous dire pourquoi. Écoutez, monsieur, bienvenue. Paris ne sait pas construire en trois jours. Il faut évoluer en fonction de je la situation. Je crois que, si vous permettez, on va revenir. On va revenir sur cette situation disponible. Je pense que Bienvenue sera également disponible pour qu'on puisse revenir également. Il faut également qu'on ait le courage de dire la réalité des impôts. Parce que c'est les inconvénients. Je crois qu'on va revenir par rapport à ça. Pour revenir un peu de temps. À la situation des élus. Vous savez, moi, je défends une cause. Hein. Je suis persuadé, convaincu de cette cause que je défends et que c'est la meilleure des causes. Vous savez, les gens... Pourquoi moi, depuis que l'USL connaît des difficultés depuis des années, mais je ne vais pas dans un autre parti politique. Parce qu'on ne rentre pas dans un parti politique. Pour rentrer dans un parti politique, vous voyez des incantations du genre. Des gens ça, qui sont élus, FCBE, quelles que soient les critiques que nous avons l'habitude de faire avec, autour des FCBE, des gens qui sont élus FCBE et qui réclament d'une certaine idéologie, même si c'est sur papier. Il faut quand même, il faut avoir une certaine dignité. Mais qui quittent leur parti politique en bloc pour rejoindre. Il y a un maire, pardon. Non, c'est-à-dire, ils vident leur parti politique pour rejoindre un parti politique de la droite, BR. Et puis, dans ça, vous pensez que c'est la démocratie qui a problème? Non, c'est un problème de dignité et d'éducation. Ce n'est pas la démocratie. La démocratie vous permet en réalité d'être militant d'un parti politique, de défendre une idéologie, de défendre une cause. Mais la démocratie ne vous permet pas en réalité d'être éhonté, de ne pas avoir une dignité. C'est l'éducation qui vous donne cette dignité. Donc, on va dire que à cause de la démocratie, il y a un problème en Afrique, des FCBE, c'est malheureux pour ces élus. Et c'est ce que les réformes doivent régler. Quand vous êtes élu sous la bannière d'un parti politique et vous êtes battu, et le parti vous a donné une certaine couverture, il ne faut pas... à cause des intérêts, parce qu'il y a une élection législative qui s'annonce, il faut quitter son parti politique. Si BR n'est pas bien, vous allez les voir tout à l'heure, hein, s'ils n'ont pas l'assurance qu'ils seront positionnés, ils vont quitter le BR pour l'UP. Et bientôt, peut-être quand l'UP ne serait pas bien pour eux, ils vont revenir encore au FCBE pour dire quoi? C'est les sommes qui pose problème, c'est l'éducation qui pose problème. Merci à vous, Habib Arendesi. Alors, bienvenue à Bastagan sur ce même sujet. Selon vous, pour finir, dites-nous
selon vous, qu'est-ce qui aurait poussé ces élus FCBE à rejoindre le BR? C'est une problématique que vous posez globalement comme ça, hein, parce que c'est la transhumance face à la liberté d'association. Vous savez, je suis libre d'adhérer à n'importe quel parti politique. Et ça, c'est la démocratie qui l'autorise. Vous convenez avec moi? Je suis d'accord avec vous. Donc, vous. Est-ce que la démocratie oblige à une idéologie politique? C'est la question que je vous pose. Donc parce la démocratie instaure la pagaille, c'est ça? Ah mais la démocratie a dit la liberté d'association. Je l'ai dit tout à l'heure. Ce qui veut dire que je peux adhérer à n'importe quelle association. Oui. C'est ma liberté, c'est mon droit d'adhérer, c'est mon droit de sortir de cela. Et c'est la démocratie qui a instauré ça. La démocratie n'a pas instauré qu'il faut avoir une idéologie politique. Laissez-moi finir. Il y a la question d'idéologie en démocratie. Mais quand vous parlez de décence, vous parlez d'élégance politique, ça, vous parlez d'éducation. Est-ce que la démocratie là, a dit qu'il faut s'éduquer de cette manière-là? C'est ce qu'il faudrait comprendre. Si vous avez un référentiel qui est la démocratie qui vous autorise à faire, à mettre en valeur votre liberté, voilà ce que ça donne en réalité. Le problème qui se pose, c'est que certaines personnes vont dire la réforme du système partisan au Bénin est face à un défi, il faut le dire. C'est le défi de la transhumance politique. Ils ont cherché à régler cela, mais n'ont pas pu. Parce que le problème qui se pose, au lieu donc de s'attaquer à la démocratie, de dire que bon, est-ce que c'est la démocratie qui a autorisé ça ou pas, il faut revenir à une question d'éducation telle qu'il le dit et de laisser de côté la démocratie. Parce que, vous savez, il y a ce qu'on appelle la fonction idéologique, je reviens toujours là-dessus, d'un parti politique. Si les législateurs ne viennent pas à imposer à ce que vous suivez une idéologie sans quitter l'idéologie, là, on va enfreindre à cette liberté d'association lorsqu'il s'agira des partis politiques. C'est ce qui pourra donc éviter la transhumance politique telle que nous sommes en train de l'observer. Parce qu'on considère la politique comme un intérêt. Il faut le dire en toute honnêteté. Merci. C'est un intérêt parce qu'on va chez le plus offrant. On va pour vous. Ce que nous voyons là. C'est quoi? Si on change d'idéologie, d'une idéologie à une autre... C'est de l'opportunisme, ce n'est pas la politique qui... Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de rechercher? On va chez le plus offrant, c'est ce parce que les législatives sont... Ces élections-là sont proches, et donc il faut nécessairement se caser quelque part où ça va nous faciliter d'être élus. Voilà. Merci à vous. Bienvenue, Agba Sagan. Je rappelle que vous êtes analyste. Vous avez transformé ici parce que vous avez tendance à tout. Mais c'est vous qui défendez tout. Habib Agba Sagan, plutôt, j'allais dire. Je suis un peu embrouillé. Bienvenue à Agba Sagan, maintenant c'est bienvenue à Agba Sagan. Alors, vous étiez face un instant à Habib Arandessi. Bienvenue à Agba Sagan. Vous étiez face à Habib Arandessi. Bienvenue à Agba Sagan, qui est journaliste et analyste politique. Habib Arandessi, qui est président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire. Chers amis internautes, c'était à l'instant Info Hebdo de ce samedi. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve demain dimanche pour l'invité. À très bientôt. Ce sera avec Maître Abraham Zidourou.